le visage fermé, sans aucun mot pour les journalistes. Monsieur Fillon, qu'attendez-vous de ce procès ? Les époux Fillon entrent dans la salle d'audience pour le premier jour de leur procès. Mais à la barre, François Fillon et sa femme Pénélope ont seulement eu le temps de décliner leur identité. Leurs avocats ont plaidé une demande de renvoi par solidarité avec le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Une demande acceptée par le tribunal. Les débats ne débuteront donc que mercredi. Le couple pourra alors commencer à s'expliquer concernant les soupçons d'emploi fictif qui pèsent contre Pénélope Fillon. A-t-elle vraiment été l'assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant Marc Joulot ? C'est l'une des questions au cœur de ce procès. La défense assure pouvoir apporter la preuve de la réalité du travail de Pénélope Fillon. Des documents qui jusqu'ici n'ont pas convaincu les juges d'instruction. Ils estiment le détournement de fonds publics à 1 million d'euros sur 32 ans. Les prévenus ont jusqu'au 11 mars pour livrer leur explication. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.